Open GT Series tracé de Laguna Seca ce soir en catégorie GT3. C'est plutôt sympathique parce qu'on n'a pas l'habitude d'être sur ce tracé en catégorie GT3. À chaque fois qu'on le proposait, généralement, c'était en catégorie GT4. Donc ça va être intéressant de suivre un petit peu tout ça ce soir. J'espère que ça va bien se passer puisqu'on n'est pas sur un très grand circuit, très large non plus. Donc il y a certains endroits où faudra faire attention. On risque, même si on est moins que la semaine passée, on risque quand même d'avoir pas mal de drapeaux bleus, de vite se retrouver. Donc on va discuter un petit peu de tout ça pour que tous les éléments se passent pour le mieux, bien évidemment. Alors du coup, comment ça va se passer ce soir? Vous le savez, ça se décompose toujours en trois parties avec la première, la séance d'essai libre de 10 minutes qui va vous permettre de rejoindre tranquillement le serveur, de vérifier que tout est bon pour vous en termes de voiture, livrée, simu, etc., etc. Et qu'il n'y a pas de bug au niveau de votre PC. Une fois que tout est validé, vous pouvez prendre part à l'épreuve, à la piste, sans règles spécifiques. Si ce n'est, comme vous le savez, les règles de bonne conduite globale, générale, lors d'une montée en piste, mais pas de règles spécifiques côté de cette séance d'essai libre. Ensuite, eh bien, on part pour une séance de qualification de 15 minutes, comme d'habitude en séance. Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Merci. Au niveau de cette séance, eh bien, 15 minutes comme je vous l'ai dit, comme d'habitude, toujours évitez de tous vous précipiter hors de la voie des stands pour créer plus facilement les écarts en piste et donc pendant vos tours qualificatifs ne pas être gêné par des pilotes plus lents devant vous puisque on ne peut pas dépasser un pilote qui est en tour qualificatif. Comment on sait tout ça? Toujours comme d'habitude, deux types de trajectoires possibles. Si vous êtes en tour qualif, la trajectoire classique de course. Si vous êtes en tour avorté, en tour de sortie, là vous êtes hors trajectoire. Comme ça, on sait que vous n'êtes pas dans un tour qualif et qu'on peut vous dépasser. Mais ceux qui sont dans la trajectoire et qui sont donc en tour qualif, on ne peut pas les dépasser, même si bah, vous êtes plus rapide et ça vous ralentit. Bah voilà, si ça vous ralentit, vous décalez leur trajectoire, vous avortez votre tour, vous laissez les espaces se créer et puis vous repartez pour votre chrono justement. Vous n'êtes pas énorme en termes de nombre. On a 31 inscrits, donc ça devrait aller. Même si on est sur Laguna, ça devrait aller. Mais c'est toujours intéressant de vous le dire justement pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Quand on arrive aussi dès les débuts de séance, dans le troisième secteur, et qu'au final on se rend compte qu'on est nombreux, qu'on est tous ensemble, et qu'on décide de ralentir, on se met bien évidemment tous sur la même ligne, et on évite de se débrouiller, c'est les qui arrivent, etc. Et puis pas avoir des incompréhensions, vouloir shipper l'une ou l'autre place, parce que généralement en faisant ça, les deux pilotes sont perdants. Donc éviter ce genre de choses, et éviter. Bah, c'est drapeau jaune à un intempestif dans le dernier secteur en vous espaçant dès la sortie de la voie des stands en ne sortant pas tous en même temps de celle-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Possibilité d'effectuer le bouton échappe pour revenir dans la voie des stands, à condition bien évidemment d'être dans une zone qui ne gêne personne et de le faire le plus rapidement possible pour ne pas engendrer de drapeau jaune intempestif à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu côté de la séance qualificative. Ensuite, eh bien, on part pour une séance de course de 60 minutes avec un arrêt obligatoire dans la voie des stands. Changement de pneumatique uniquement. Vous remettez de l'essence ou pas, vous faites comme vous voulez, mais vous êtes obligé de changer les pneumatiques sous peine d'une pénalité à la fin de la course de 180 secondes additionnées à votre temps de course, ce qui fait quand même pas mal. Donc, ça, c'est un petit peu côté de l'arrêt au stand et un petit peu de la condition qui est à coller. Attention, côté de la voie des stands, bien évidemment, à bien vous faire comprendre, mais normalement, il n'y a pas trop de problèmes ici sur ce tracé de Laguna, bien évidemment. Vous gardez bien votre gauche aux sorties de l'avant-dernier virage et tout devrait bien se passer. Sortie de la voie des stands aussi, vous le savez, on traverse toute la partie de la sortie qui vous est mentionnée et on sort après le premier virage. On ne vient pas tout couper
Bien évidemment, vous le savez un petit peu comment elle est, hein, cette sortie de la voie des stands sur Laguna Seca. Respectez-la bien pour pas avoir de problème. Donc ça c'est au niveau un petit peu des stands. Si jamais vous avez des incidents, etc., si la voiture roule encore, ralliez la voie des stands, évitez de faire un towing bêtement. Si maintenant c'est très dangereux, que la voiture est inconduisible et que ça peut être dangereux pour les autres qui sont en piste aussi, à ce moment-là, pas de souci, faites le bouton échappe, mais si vraiment vous pouvez rallier l'arrivée, faites-le, enfin rallier la voie des stands, pardon, faites-le en restant sur la piste, bien évidemment. Au niveau donc maintenant, on va parler un petit peu de la course en elle-même et de la procédure de départ et des règles qui découlent de la séance de course. Donc la procédure de départ, vous le savez, c'est un tour lancé complet, pour un tour de chauffe complet, pardon, ensuite un départ lancé en double file avec un respect de la limitation de vitesse open and drive true. Dès les premiers instants de course et qui doit être réalisé dans les 3 tours qui suivent la pénalité. Vous faites bien attention à ça. Et faites surtout attention au premier tour. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas une piste qui est hyper large, donc il faut faire attention. On ne sait pas trop aller chercher des droits de front en plein milieu du premier secteur, etc. Corkscrew, enfin, vraiment faites très 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 attention. Il y a aussi les vibreurs qui peuvent repousser les voitures avec les petits boudins, etc. Donc, vraiment faites très 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 gaffe à tout cela. Et éviter d'aller chercher des gros dives et autres, justement, et qui pourraient amener des contacts et vraiment détruire des voitures au milieu de peloton. Donc, ceux qui sont au milieu de tableau, derrière aussi, anticiper un petit peu ce qui peut se passer devant, un freinage raté, une petite touchette, etc. Faites vraiment attention. Le premier virage, il va être très problématique, on est un peu sur un freinage en descente, un virage qui est assez lent aussi, double point de corde, etc. Vraiment évitez d'aller chercher des dive bombs à l'intérieur et tout. C'est de garder bien votre trajectoire sur le premier tour. Vous n'allez pas spécialement pouvoir dépasser parce que vous allez être fort en paquet, en groupe. Et comme je vous l'ai dit, la piste n'est pas très très large, donc on n'a pas trop de marge d'erreur. Et puis c'est directement le sable sur le côté où il y a les vibreurs avec les boudins qui peuvent vous repousser dans le peloton. Donc vraiment faites très attention pour que ce soit le plus propre possible. Surtout que vous allez arriver nombreux, deuxième secteur avec la montée, le corkscrew, etc. Vraiment, on est sur un circuit qui n'est pas simple, qui est pas vraiment simple. Donc prenez ça en compte et évitez de foutre un carnage dès le début pour que ça se passe bien autant à l'image que pour vous en piste et que vous puissiez prendre un maximum de plaisir. Vous le savez et je vous le répète tout le temps, mais la course, elle ne se joue pas sur les premiers instants, sur les premiers virages. Elle va se construire au fur et à mesure, tour après tour, en fonction de votre rythme, en fonction des erreurs des autres et de votre qualité de pilotage. Donc essayez de comprendre ça, essayez de mettre tous ces ingrédients ensemble pour faire cela au mieux. Et éviter d'être trop agressif dès le début et justement de perdre tout le bénéfice de cela en étant après derrière le peloton, devoir rattraper, en ayant fait un incident, etc. Ce serait dommage et ce serait très frustrant. Donc prenez ça un petit peu en compte, bien évidemment. Au niveau des échanges entre vous et éventuellement des contacts, si ça c'est sévère, vous poussez une voiture hors de la piste, vous l'attendez quelques virages plus loin pour repartir avec lui, sinon vous écopez d'une pénalité. Faudra faire attention justement à tout cela. Comme je l'ai dit encore la semaine passée, je sais que c'est pas le top, c'est pas trop mon truc favori, mais je ne chipote pas trop avec les pénalités parce qu'en 60 minutes, j'ai pas le temps de passer 10 minutes sur les replays. Il y a un live à faire tourner et puis avoir quand même des belles images à offrir et à proposer plutôt que de tourner dans les rediffusions. Donc, bah, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute et ce serait une pénalité. Tant pis d'avance si au final le choix s'avère être un peu litigieux. Faut bien comprendre que je suis tout seul pour tout gérer et qu'on a que 60 minutes. Pour tout cela et qu'on n'a pas un temps illimité et des ressources illimitées en termes de personnel. Donc voilà un petit peu par rapport à cela. Donc essayez de faire votre propre police aussi et d'être intelligent, etc. Je sais qu'il y a l'esprit de compétition, que même quand on est en piste, etc., on va absolument gagner, mais vaut mieux justement peut-être perdre des places en étant fair play et en ayant une image de très bon pilote que de terminer
haut dans le classement, mais en étant un pilote qui va se faire fusiller parce qu'il n'a pas été propre et parce qu'il n'a pas été fair-play. Donc essayez aussi de vous mettre ça un petit peu en tête, justement par rapport à tout cela. Au niveau des drapeaux aussi, comme d'habitude, vous le savez, quand vous êtes hors de la piste et que vous engendrez un drapeau jaune, vous attendez que ce soit clair autour de vous pour pouvoir vous mettre en piste. Évitez d'attendre trop près de la piste aussi, parce que ça peut créer des suraccidents avec des véhicules qui viennent à se louper et partir un peu trop large ou justement venir trop dans l'intérieur et vous toucher si vous êtes si jamais vous êtes à l'intérieur. Attention, ceux qui sont en piste aussi, à bien regarder sur votre carte où se situe le danger pour être un petit peu alerte à l'arrivée de la position. Parce qu'on a des virages qui sont un peu à l'aveugle, des endroits où on voit pas très très bien et on pourrait être surpris. Ce serait dommage de créer bêtement un suraccident. Si jamais vous vous loupez aussi et que la voiture traverse la piste, etc., on essaye un pied sur le frein, on évite de taper des marches arrière, etc. À la Carlos Sainz, je sais pas ce qu'il nous a fait hier, mais ça c'est le genre de truc à éviter parce que vous le voyez, vous allez taper un autre pilote, c'est dommage, mais il est pris dedans de votre faute. Donc essayez de contrôler, de maîtriser votre voiture, on évite de la faire rouler d'un côté à l'autre de la piste, etc. On essaie de la maîtriser. Et si jamais vous êtes en plein milieu de la piste, à ce moment-là, pied sur le frein pour que les pilotes arrivant sur votre position puissent se choisir un côté pour vous esquiver. Parce que si vous ne mettez pas le pied sur le frein et que vous essayez de vous mettre dans un coin, etc., mais que le pilote a déjà choisi le côté et qu'au final c'est le côté que vous obstruez, voilà, c'est contact et c'est un suraccident aussi. Et donc c'est la même problématique. Donc faites très attention à cela. Et au niveau des drapeaux bleus, toujours faire très attention le pilote sous drapeau bleu fait aussi sa course et donc on ne met pas trop de pression, un appel de phare pour se mentionner éventuellement, mais on n'exagère pas non plus. Le pilote qui doit laisser passer, il y a aussi deux possibilités pour laisser passer. En ligne droite, on se décale hors trajectoire, on lève le pied, on laisse passer le pilote, ou avant virage, on se décale plus tôt, on freine plus tôt, on laisse passer le pilote. Mais c'est une manœuvre qui se réalise à deux et c'est celui qui doit passer le drapeau bleu qui a plus à perdre. Donc essayez de penser à ça aussi, pas se dire ah, le mec il doit obligé se dégager de la piste, il va pas commencer à se jeter dans le sable pour votre plaisir. Comme je vous le disais, il y a une course à réaliser et ce serait même plus dangereux qu'autre chose. On a déjà vu cela il y a 2 semaines, un pilote sous drapeau bleu qui a voulu s'esquiver le plus rapidement possible et au final ça a manqué d'être bien pire. Avec un potentiel incident. Donc pensez à ça aussi pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes de ce côté-là. Donc voilà un petit peu par rapport à tous ces éléments. Je pense avoir fait le tour. Vous le savez, la course est toujours retransmise en direct sur Twitch, avec une rediffusion dans les jours qui suivent sur YouTube. Et les 3 premiers pilotes à l'arrivée sont conviés en séance d'interview pour discuter après la course. Donc voilà un petit peu par rapport à tous ces éléments. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous donne le mot de passe? Ok, bon Il y a pas de stratégie de pit? non, 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 c'est Okay. pas de stratégie de pit. Donc vous rentrez premier, dernier tour, en fait, comme vous le sentez. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Il y a juste les changements pneumatiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À devoir réaliser, mais vous le faites à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut absolument changer les gommes. Ok, bon. Donc du coup, je vais vous donner le mot de passe tout en minuscules, et c'est descente tout en minuscules que vous pouvez inscrire dans le mot de passe serveur et rejoindre dès à présent. La session. Voilà, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne course, amusez-vous bien. Et faites-nous vibrer avec de belles images et du fair play. Bonne course à vous. Scénario. Oui. Merci, bonne course à Merci. tous, les gars. On va appeler? Non, non, je dis Ah, merci, Scénario. ah j'ai entendu juste Hilario, c'est pour ça. Pas de soucis à tous. Allez, une bonne course à Allez, vous. bonne course à tous. Bonne course à tous. Bonne. Ah, je voulais lui redire, même quand c'est fait, je voulais lui dire, mais quand on se fait défoncer, on est d'accord que le pilote doit laisser passer, quoi.
Salut. Allez. Salut François. Vous m'entendez? Ouais, ouais. Ouais, ouais, on t'entend. Oh, on t'entend déjà râler. Non, non, c'était pour être sûr qu'il y en a, ils comprennent bien le drapeau bleu, tu vois. Mais... faut se méfier des garouilles sauvages. Personne qui est motivé à sortir, j'ai l'impression. Elle est à combien la température? J'ai pas regardé. 22-29. Connexion perdue. Putain. Ah bon? Ben ouais. Pas à moi non. Nous non. Pas à moi non en tout cas. Ouais, moi non plus. Baiser, quoi. Je me disais, il y a personne qui roule, il y a personne qui sort. Mais il y en a, ils doivent être comme moi parce que je suis 9ème sur le serveur. Pourtant on te voit, hein, tu vois. Ouais, je viens d'arriver là. Hein? Mais il y en a, ils doivent être comme moi parce que je suis rentré il y a seulement là, il y a 4 minutes qu'il est déjà ouvert et je suis 9ème quand même. Donc... putain, François il quitte plus sa Porsche. Hein? Ah bah non, non, t'as toujours roulé en Porsche toi. Non non, je roulais en Féfé. Ah oui. Au début. Dis, tu la quittes plus la Porsche Chaya là. Ouais, bon, on s'habitue quoi. Ah, monsieur Martin, il prend plus la Porsche. Ah ouais? Non. Non non. Après, ça fait 15 jours, j'ai pas roulé, j'ai dit, vas-y, je vais changer de voiture. T'aimes pas l'Aston? Y'a personne chez nous qui roule en Aston. Je l'ai pas testé. Mais ouais, comme ça, y'a personne. Si, y'avait Joseph, mais. Ce qu'il t'avait demandé la livrer. Ah oui! Mais il a roulé un peu quoi. Non mais Joseph il a mangé à tous les râteliers hein, il a fait McLaren, Ferrari. Ouais, il a tout essayé ouais. Ouais, il bouge dans toutes les gamelles. Boutiques de l'automobile. Oh je dis bien. McLaren, putain, on la revoit beaucoup, je trouve. Hein. Ferrari, ça a l'air de s'essouffler un chouille. Porsche, on la revoit de plus en plus, j'ai l'impression. Ryan, il a repris sa Bentley. Aston, il n'y a pas d'Audi. Si, il y a une Audi. Il y a une Audi.
Ah ouais, une Audi. Une Lambo. BM. Il n'y a pas de Mustang. Ouais, ouais. Ouais, il y en avait une tantôt. 7 ou 8 Porsche. McLaren. Là, c'est peut-être bien les Porsche qui aident plus. Oh, l'autre, putain. Je suis pas sûr. Hein. McLaren, ils sont nombreux. Hein. Bah, apparemment, ils sont que 6. Bon, après, si les 6 sont dans les 10, forcément. Putain, une 22 là avec la Audi. Le top 10 qualif une 22 dans mon avis. Bon, ce vélo. Loïs Régnier, oula, ça fait longtemps. C'est combien les qualifs, 15 minutes ou... Non, ouais, c'est 15 ici. Thank you.
Totov. Merci. Stay on the track. 21-26.
Ouais, dommage Toto, je pense que j'aurais pu gratter un peu quelque chose. Monsieur Martin ? La voiture, ça va mieux avec une voiture cheatée, non, ou pas? Non, elle est... elle est bizarre. Ça tourne pas, je trouve. Il y a aucun grip de l'avant. T'as un expert féfé là, t'as Bruno. Mais les températures, c'est les PSI sont à combien? Moi, ouais, mes cours. PSI? Non, mais en course, elle monte à combien? Je sais pas. Il faut plus aller sur le 27 avec la féfé. Ah ouais? Ouais. On dit en haut. Hein. Faut plus viser le 27. Elle accroche un peu mieux. Ouais, lui, t'as ça, il est plus dans les chiffres du 51, truc comme ça. Ça ne parle pas 27. Jet 27, c'est pas trop son délire. C'était pas ouf. T'as pris quel setup? Souvent le 27, le jet 27, il prend au matin lui, petit déj. Ouais, il est mieux. Bon, on a remarqué qu'à 20, plus du côté des 27, elle accrochait quand même un peu mieux. Ouais, bah ça varie mieux. Entre 26. Bah, apparemment, c'est 26-7 les pressions idéales, mais. Ouais. C'est ce qu'on a remarqué un peu avec la féfé. À la longue de la roulée. Serré les chronos là. Ouais, je sais pas combien c'était, mais je crois que devant ils sont hauts, mais. Sinon. Je sais pas si on est dans la seconde. Si. Jusqu'à moi, on est dans la seconde après. Derrière Cyril, il est plus dedans. Ouais. Après moi et Cyril, déjà il y avait deux dixièmes. Il faisait combien là, Alain? Il faisait combien Il faisait 22 là. Ah merde, dans une minute ça part. Ah merde, il suisse à côté de moi. Oh nom de Dieu. Ah, il faisait combien? En air, température d'air avant là. J'ai pas regardé. Non, maintenant il fait 20. Il faisait combien tout à l'heure? 21. Ok. Bon, j'ai pas forcément fait attention. Merde, il y a l'autre avec sa Kostinger à côté. Il nous a fait notre petit François. François est à côté de Bruno, je crois. Non? Ouais, il est 20. Ouais, il est derrière. Je le vois, je le sens. Senti. Oh, comme je vais pouvoir faire un beau petit pare-choc là.
une belle petite BM. Ouais, bah calme-toi. Aïe aïe aïe, comment je vais te faire les freins, tu vois. Bah là, je sais pas comment. Parce que moi, je vais me décaler à gauche. Alors toi, si tu te décales aussi à gauche. Bah, normalement, je freine dans l'herbe et je dégomme tout le monde. Impeccable, j'ai réussi ma soirée. Ok. Formule. Oh, ça part mal, ça. Formule. Attends, j'étais où, moi? Tu consommes quoi autour, Romu? Je préfère pas en parler. Je me sens mal, gros gueule. Une citerne. Je me sens mal, rien que de dire le chiffre quand Bruno m'annonce les siens. Je me sens mal. Moi j'ai envie de rigoler un peu là. Je suis à plus de 2 litres. 2,10 plus. Ah ouais? Non mais c'est bon, rate. Non seulement je consomme de ouf, je prends du poids. Je pense que t'es foutu, hein. Non. Je suis fidèle, je joue pas la pop. Il est où notre Lionel là? Il est où là? P7. Articule, je t'entends pas là. Ouais, mais tu sais, c'est pas parce que ça fait 2 semaines que je suis plus là que mon micro il remarche bien. Non, hein, non, calme-toi. Y'a de le Valota. Putain, j'ai les pneus gelés. Putain, j'ai les pneus à 25. Moi, je suis obligé de ralentir. What the saint, tu m'as fait flipper. Merci à Totof. Je suis prudent là au départ là. Attention! Wow. Non! Oh là là! Oh, il a failli celui-là! Oh là là! Oh, je me suis fait défoncer le cul l'arrière là-bas. 10 secondes de dégâts. Oh là là! 10 secondes. Toi aussi? Ouais. Ah, j'ai garouille devant. Il est fou, lui. Je
combien Romu? Hein? T'es reparti combien? Là je suis P7 là. Ah mais t'as rien perdu toi. Bah j'en ai doublé et on m'a doublé. Mais là, ouais je croyais avec Cyril qui m'allait. Oh merde. Ah j'ai Garouille derrière moi. Attention. Il est entre nous deux. Et oh, voilà. Mais il est sérieux. Allez, la vidéo les mecs. Non non mais Bruno, enregistre. Ouais, je l'ai pété, je l'ai envoyé dehors. Ah. Ouais, il a divé comme un fou. Tout en direct. Hein. Ah je l'ai tapé dehors. Un petit coup là, hop. Passe. Je le prenne, vas-y. 10 secondes de dégâts, c'est... Passe pas. Bon, j'ai glissé là. Attention, au-dessus à droite, il est à droite et à gauche. Je prends trop mal. Tu vas à gauche. C'est celui qu'a McLaren? Ouais. Le XRT je crois. Ah je l'ai vu venir, c'est pour ça que j'ai pas tourné. Tiens, revue la garouille. Thank you.
à perdre ici. Thank you.
Là je suis en 23-2 tous les tours.
pas partir. On crache à gauche.
passe bien pour vous? Ça va. Spin dans les stands, j'arrivais pas à faire demi-tour, c'était une horreur. J'ai perdu au moins 35 secondes. Oh, j'y vais, putain.
Qu'un affichage, sérieux. Oh,
Oh, c'est pas vrai, je me prends un DT. Thank you.
Non. Oh putain.
Merci Tatoff. Je reviens les gars. Yo. Allô, allô. Allô. Oui, oui. Ouais, vous m'entendez bien. 5 sur 5. On va pouvoir partir alors côté de la séance interview. Je vais vérifier en termes de, okay, de son. On va pouvoir partir. Alors, 3, 2, 1, let's go. Eh bien, nous voici de retour. Séance d'interview d'après-course avec les pilotes pour discuter justement de cette course en haute intensité, mine de rien. Beaucoup d'incidents, beaucoup de retournements de situation, beaucoup d'évolutions de position. Et le premier qui en a pris quand même quelques-unes ce soir, c'est notre cher Romuald Van Himen arrivé sur cette troisième position au final alors que l'on partait 9e. On a grappillé les positions après les erreurs des uns des autres, les pénalités bien sûr, et un rythme qui a bien tenu. Alors, on n'a pas pu aller chercher les deux devant, mais on s'est bien installé sur cette troisième position. Comment s'est passée cette course pour toi au volant de cette BMW, ces places grappillées au fur et à mesure des 60 minutes? Salut Hilario, salut à tous. Moi je fais des qualifs, des bonnes qualifs. Après c'est vrai que ce soir il y avait une belle start list, donc pas facile. Donc ouais, des bonnes qualifs à ma place. Et puis après en course, tout s'est bien passé. On m'a tapoté un peu le cul, du coup j'ai tapé le cul d'un autre pilote devant. J'ai eu 10 secondes de dégâts, mais sinon rien à déclarer. Je suis très satisfait de ma place vu les noms au départ. Ouais, c'est vrai qu'il y avait quand même de grands noms, pas mal de niveaux, mais ça a été évoqué sur ce tracé là assez technique, il faut pouvoir aller au bout. C'est ce que tu as fait et au final ça te permet de prendre pas mal de place et de se retrouver sur ce troisième rang. Donc félicitations à toi pour ce résultat. Merci Rio. On va passer à la deuxième place, et c'est l'Undercut Racing Team, à bout de scène VDS, avec Géo Miluti sur cette deuxième place. Une course totalement différente pour toi par rapport à la semaine passée où tu partais dans le bas de tableau et remonté sur la huitième position. Ici, tu es parti quatrième pour te retrouver deuxième ici ce soir. Une course pour ta part peut-être moins fun que la semaine passée, dans le sens où il n'y a pas réellement une bataille. Tu es retrouvé assez seul assez rapidement parce que tu avais déjà un de tes adversaires et coéquipiers, Wilga, qui a été supprimé de l'équation dès les premiers instants de course. Et on a eu un Renier qui a eu un peu de difficulté quand même ce soir. Donc vraiment
esselé puisque devant impossible d'aller chercher Nathaniel Fever. Comment ça s'est passé cette course du coup pour toi ce soir dans cette configuration là qui n'était pas du tout celle que tu avais vécue la semaine passée? Alors le micro est peut-être coupé Géo. Un petit souci là côté micro. Est-ce qu'on nous reçoit bien? J'ai pas l'impression. Je pense qu'on est juste pas là tout court à mon avis. Côté Allo, c'est bizarre. Excusez-moi. Hop, oui. Problème de mute, excusez-moi. Salut Hilario, salut, bonsoir le stream. Oui, en effet, bah, je vais faire court. Et effectivement, déjà, je tiens à dédicacer cette deuxième place à mes coéquipiers, notamment Loïs et Corentin, qui effectivement m'ont un petit peu quand même mâché un peu le travail. Donc ouais, une course bien différente de la semaine dernière. La semaine dernière, c'est vrai qu'on était arrivé un petit peu en dernière minute, donc on s'est dit on va partir derrière, en Autriche, ça va être sympa de remonter, ça a été le cas. Et là, évidemment, une autre physionomie, j'ai pris l'Audi, qui est une voiture que j'affectionne ici, mais qui est assez difficile, et j'ai vraiment été en dessous, personnellement, en termes de rythme. Donc j'avais pas le rythme de Nathanael, donc franchement bravo à lui, un rythme extrêmement solide. Loïs pouvait se rapprocher de ce rythme-là, mais comme tu l'as dit, il n'a pas réussi à finaliser, il a fait quelques erreurs assez fatales. Donc j'en ai profité tout simplement. Voilà, comme quoi une course vraiment d'opportunité, puis effectivement un petit peu longue, avec un rythme un peu en dessous, j'ai dû un peu cruiser et essayer de contenir un peu la voiture en fin de relais parce que ça commence à devenir un petit peu fatigant d'être en dessous. Voilà. Ouais. Donc bravo à tous. Toutes les courses ne se ressemblent pas, configuration un petit peu différente pour toi ce soir, mais c'est le résultat qui a changé ici avec un podium, deuxième position au final, quand même un excellent résultat et des choses apprises au niveau du rythme avec cette Audi. Donc félicitations quand même pour cette deuxième place. Et on va passer maintenant à la première position, Nathanael Fever, leader sur toute la course, pas trop de... quasiment sur toute la course, parce qu'il y a eu les arrêts au stand, mais pas trop de difficultés pour toi, si c'était un peu peut-être le départ, une qualification assez serrée avec Corentin Wilga, où ça se joue à 23 millième au final, deux chronos très proches du résultat du pilote de l'Undercut, avec un coup 30 millième, un autre coup 23 millième, et après en course, ben voilà, le leader qui ne part pas de la grille, mais de la voie des stands, donc ce qui permet d'avoir le champ libre et d'essayer tout de suite de créer le gap, ce que tu as fait, et au final promenade de santé entre guillemets, ça s'est excellemment bien passé comme d'habitude, toujours d'excellents résultats, mais ce soir vraiment on l'a senti en termes de rythme un petit peu au-dessus. Comment tu l'as vécu toi ce soir cette course et l'état d'esprit, passage de la qualif et la transition directe avec la course, au final tu te retrouves malgré toi premier, comment on refait un petit peu les choses mentalement quand ça bouge comme ça en une fraction de seconde? Je me suis dit il m'a mâché le travail. Moi je voulais d'abord le suivre, hein. Et puis tant pis, et puis après il n'y a rien trop à dire, hein. j'ai avancé, et puis je vous remercie d'ailleurs d'avoir mis ce circuit là en événement, quoi, parce que c'est un circuit que j'affectionne et puis qu'on roule plus depuis longtemps, hein. Voilà, ça m'a fait plaisir de venir rouler sur le circuit. Ouais, tout à fait, hein, c'est un tracé que j'aime bien, qui donne beaucoup de... Comment, on est toujours en stress avec les boudins, les choses comme ça, hein. Il y a toujours des... Il y a toujours des accidents devant, là, à un moment donné, à 12 minutes avant la fin, j'ai cru que je mourrais dans la montée, là, il y en a un qui s'est mis en l'air, j'ai cru que je mettais la voiture en l'air en même temps, et puis je vous remercie pour ça, puis je remercie les partenaires aussi de la team, là. Et puis à la prochaine. Ah oui, c'est en effet à la prochaine, ça, il faut pas hésiter bien sûr. Et comme tu le mentionnais, tracé qu'on ne voit pas souvent, c'est le plaisir de le retrouver et qui met beaucoup de tension avec une piste assez courte. Donc on retrouve rapidement des drapeaux bleus, les boudins à l'intérieur, faut faire très attention. Une piste qui n'est pas très très large, le sable directement sur le côté, donc on peut la perdre à tous les endroits. Et c'est une course qui élimine pas mal de pilotes, qui met beaucoup de pression, beaucoup de tension. Et ça, c'est vu ce soir. Au final, toi, tu as pas cédé à cette pression et tu te retrouves sur la plus haute marche du podium ce soir avec cette victoire à nouveau dans les Open GT Series. Donc, félicitations à toi.
Merci. Allez, et puis bien joué les gars. Allez, bien joué à vous trois. Merci d'être passé pour cette séance d'interview et au plaisir de vous retrouver pour de prochains événements des Open GTC Series. Une bonne soirée à vous. À vous, à bientôt.